Exercice 11. Première partie. En tant que président d'une association de rollers parisienne, il y a quand même pas mal de choses à dire. Le roller s'est développé dans la vie parisienne depuis les années 90-95. On a eu une grosse montée en puissance quand il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon les grandes grèves. Donc, à ce moment-là, les gens se sont dit « il va bien falloir que j'aille au travail ». Donc ils se sont mis à acheter des rollers et à se déplacer en roller. Voilà. Et notre association, elle est née en 1997. Et depuis le jour où l'association est née, le but, c'est la promotion du roller. Le roller, c'était une mode et c'est devenu un mode de déplacement à part entière. Certains ne le croiront peut-être pas, mais il y a des milliers de Parisiens tous les jours qui vont travailler en roller. C'est super pratique, on passe partout, on va sur les trottoirs. On peut effectivement rouler avec une tolérance de la police dans les voies de bus ou dans les pistes cyclables. Plutôt pistes cyclables que voies de bus, parce que les voies de bus sont un peu plus dangereuses, nous on ne le conseille pas. Et on se retrouve en fait avec un mode de déplacement qui coûte l'achat du matériel. On peut s'en servir pour aller au travail, mais aussi on peut s'en servir pour les loisirs. On a participé, nous, à des tests très sérieux qui ont été faits où on a mis en concurrence les transports en commun, le vélo, le roller et la voiture. L'idée, c'était de dire, j'habite à Colombes et je dois aller à Montreuil travailler. Comment je fais et qui va arriver le premier? Qui est arrivé le premier? C'est le roller, suivi du vélo. La voiture, on n'en parle même pas. Les transports en commun, oui, bien sûr, ils sont arrivés après. C'est propre, il n'y a pas de souci. Donc le roller, le vélo, les modes de déplacement doux dans Paris, pour moi c'est une question d'avenir. C'est quelque chose qui doit perdurer. Et nous on fera tout pour que ça perdure, bien sûr. Alors après, ça passe par un développement des pistes cyclables et un développement aussi de la loi. Exercice 11. Deuxième partie. Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le roller est un mode de déplacement qui est considéré comme piéton. Donc, on a une obligation d'aller sur les trottoirs. Mais les piétons ne comprennent pas qu'on soit sur les trottoirs parce qu'on va plus vite qu'eux. C'est normal, même si on essaie de faire très très attention, c'est obligé. Mais ils ne le comprennent pas. Et la loi nous dit, vous êtes des piétons, vous n'avez pas le droit d'aller sur la route, pas le droit de prendre les pistes cyclables, pas le droit de prendre les voies d'autobus. Bon, il y a une tolérance, bien sûr, depuis le temps qu'on travaille sur le sujet, tant avec la mairie de Paris qu'avec la préfecture de police de Paris, qu'avec le conseil régional, le conseil général, on travaille avec eux. On fait partie de commissions où on regarde quelle est la largeur que doit avoir une piste cyclable pour que le roller s'y sente à l'aise dedans, pour que les gens puissent se croiser, quel est le revêtement, etc. Et dans quel quartier on doit développer ces pistes cyclables pour faciliter le déplacement tant des rollers que des vélos, bien sûr. On est assez impliqué là-dedans et on va dans le bon sens. La mairie de Paris fait énormément de ce côté-là. Il y a même un monsieur roller à la mairie de Paris. Il y a un monsieur roller aussi à la direction de la jeunesse et sport au ministère. C'est la preuve que le roller est pris au sérieux et que c'est un mode de déplacement. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en application le livre blanc qui a été écrit il y a quelques années sur le roller pour lui donner sa place dans le code de la route et dans le code de la circulation. Mais maintenant, il faut que ça vienne. Exercice 12. Première partie. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui Anna Chidiac, responsable des collections Afrique du Nord et Proche-Orient au musée du Quai Branly. Ce musée réunit un peu plus de 300 000 objets, dont la plupart proviennent du laboratoire d'ethnologie du musée de l'Homme et les autres de l'ancien musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. Bonjour Anna. Bonjour. Anna, vous êtes libanaise. Comment fait-on pour parvenir à ce poste? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Oui, bien sûr. J'ai quitté le Liban en 1975, donc au début de la guerre civile. Destination, la France. Et plus exactement, Annemasse, en Haute-Savoie. La séparation a été difficile avec le Liban. L'intégration aussi en Haute-Savoie. Le froid, la neige. Enfin, après mon baccalauréat, je me suis inscrite à la Sorbonne, Paris 4. Et j'ai suivi des cours d'histoire de l'art et d'archéologie. On m'a souvent posé la question, pourquoi ce choix? Un événement s'est passé dans ma vie au lycée. J'étais au lycée français de Beyrouth et notre professeur de français a organisé une sortie qui nous permettait de découvrir le site de Byblos, au nord de Beyrouth. Donc ça a été le déclic. Quelque part, j'étais émerveillée par ce site. J'étais touchée par tout ce que j'avais découvert,
cette nécropole royale, ce petit théâtre. Et donc, 5 ans plus tard, je me suis inscrite à l'université pour suivre des études d'archéologie. Mon rêve alors était de terminer mes études, d'aller travailler au Liban à la direction des antiquités. Mais la vie, voilà, les choses se sont passées autrement. Je suis restée en France. Évidemment, la guerre était l'une des causes et j'ai eu la chance, en 1983, d'être prise en tant qu'assistante de conservateur au musée de l'Institut du monde arabe, où je suis restée 17 ans. Là, j'ai travaillé essentiellement à l'enrichissement des collections du musée, à l'animation du musée, à l'organisation de grandes expositions. J'ai essentiellement travaillé sur une exposition consacrée au Yémen, qui s'appelait « Au pays de la reine de Saba ». Alors, depuis 7 ans, je suis au musée du Quai Branly. Je suis arrivée en 2002. Le projet était encore en cours de mise en place. Et je suis aujourd'hui responsable des collections Afrique du Nord et Proche-Orient. Exercice 12. Deuxième partie. Le musée du Quai Branly a été inauguré en juin 2006 par l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Quel concept est à l'origine de ce musée ? L'idée de créer un musée consacré aux cultures non européennes est une idée qui est née il y a à peu près un an, en 1990. Jacques Kercharge, collectionneur et grand amateur des arts dit premier, a lancé un manifeste, je vais le lire, intitulé « Les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux ». Il souhaitait, Jacques Kercharge, à cette époque, appuyer l'idée de créer au musée du Louvre une 8e section consacrée aux arts non européens, parce que, au Louvre, évidemment, il y a les départements des antiquités étrusques, grecques, romaines, etc. Et Jacques Kercharge considérait que les arts des autres continents étaient égaux à ceux présentés au Louvre, temple de l'art occidental. Il a réussi à obtenir près de 300 signatures d'artistes, d'anthropologues, d'historiens de l'art en faveur de ce projet. Et quelques années plus tard, en 1975, quand le président Jacques Chirac a été élu, il a adopté ce projet. Il a pris la décision de créer un musée qui allait regrouper toutes les collections qui étaient au Musée de l'Homme et au Musée des Arts Africains et Océaniens, qui était à la Porte Dorée. Donc une collection d'à peu près 300 000 objets qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly. Donc en 1999, après la décision de Jacques Chirac, un appel d'offres est lancé pour choisir l'architecte qui allait construire le musée. Et c'est Jean Nouvel qui a été désigné. Jean Nouvel a proposé quelques idées fortes, dont l'idée de surélever le bâtiment et de faire un jardin ouvert au public. Il a créé une tour d'instruments de musique qui s'élève sur 4 niveaux et qui, en fait, présente les instruments de musique du musée. Mais ce sont les réserves, ce ne sont pas des vitrines. Et c'est le premier musée qui présente au public l'intérieur de ces réserves, donc sous forme d'une tour. Donc, en 2006, le musée a été inauguré. Et Jacques Chirac a précisé dans son discours qu'il s'agissait pour la France, dans cette réalisation, de rendre hommage à des peuples auxquels, au fil des âges, l'histoire a trop souvent fait violence. Exercice 12. Troisième partie. Et c'est une très belle idée. C'est vraiment un lieu magnifique. On dit que le musée du Quai Branly a pour ambition d'être une cité culturelle et pas seulement un musée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les différentes activités organisées par le musée ? Oui. Le musée du Quai Branly, contrairement aux anciens musées classiques, est une institution culturelle à multiples facettes. Le musée est tout d'abord un lieu de recherche. Sa mission première est de conserver les collections, de les exposer, de les publier, de faire connaître au public ces collections, donc de les mettre en valeur. Deuxièmement, c'est un lieu d'enseignement.
Le musée du Quai Branly accueille des chercheurs pour des périodes variées. Il attribue des bourses doctorales et post-doctorales. Il attribue également, si besoin est, des prix pour des thèses dont le travail est remarquable. Il offre également un enseignement à haut niveau, destiné aux étudiants en master et en doctorat, mais le musée ne délivre pas de diplôme. Il ne peut pas se substituer aux universités ou aux écoles spécialisées. Enfin, en dehors de cet aspect purement scientifique, le musée est un lieu de spectacle, de conférences, débats. Le musée est un lieu où le public jeune, les enfants, peuvent venir suivre des visites comptées, des ateliers. En résumé, c'est un formidable outil de lien social qui favorise le dialogue des cultures non européennes. Anna Chidiac, merci de nous avoir accordé cet entretien.